Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec une nouvelle vidéo unboxing. C'est la troisième fois quand j'ai une collaboration avec la boutique VIP Cross Stitch. Vous savez très bien que c'est une boutique qui est sur ma liste des préférées parce que j'adore leurs produits. Vitesse avec laquelle ils font la livraison, parce que la livraison il est assez vite. D'habitude c'est une semaine, maximum 2 semaines. C'était maintenant avec les fêtes, comme il y avait les fêtes, mais c'est bon, c'est fini. Du coup c'est fini avec les fêtes, du coup on va commencer à avoir les livraisons normales. Et aussi les prix, j'adore leurs prix parce qu'ils sont pas chers du tout et on trouve vraiment plein 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 de choses magnifiques sur cette boutique. Vous avez comme d'habitude un petit code promo qui vous pouvez utiliser, c'est Angela07 et vous avez 7% de réduction avec cette code. Je vous mets comme d'habitude le lien de la boutique dans la barre de description. Je vous mets le lien de chaque article que je montre aujourd'hui. Pour aujourd'hui, j'ai 2 articles, mais tous les deux, c'est des très 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 jolies toiles. Hop, on va commencer tout de suite et on va commencer avec celui-là. C'est une toile de la marque DIY Cross Stitch. Et c'est une petite série comme ça avec les femmes. Comme ça, j'aime beaucoup cette série. Oh. Je veux enlever ça comme ça, on fait plus de bruit. Voilà, cette série. C'est une petite série avec plusieurs toiles. J'ai pris celui-là en partenariat. Mais j'ai commandé encore 2 sur la boutique. Du coup, j'attends que je reçoive la commande aussi. J'ai passé une petite commande sur cette boutique parce que j'aime beaucoup leurs produits. Et comme ça, j'ai profité moi aussi de petits codes promo. Voilà, cette magnifique toile. J'aime vraiment beaucoup. Maintenant, on va voir tout de suite tout qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. On a ici les fils. On va voir après. On a ici le patron qui est sur du papier glacé. Voilà, il est là, qu'il est très bien imprimé. On voit très bien tous les détails. On a au total 25 couleurs. Les symboles sont vraiment simples, bien lisibles. Et ici, on a les couleurs aussi. Voilà pour le patron. La toile. On a ici déjà 2 aiguilles. La toile, il n'est pas faite sur les côtés. Du coup, c'est à nous de faire pour passer filocher. Mais jusqu'à maintenant, toutes les toiles que j'ai prises de la marque DIY Cross Stitch, il n'y a aucune qui était faite. Du coup, je savais déjà d'avance qu'il ne va pas être fait sur les côtés. Cette toile, attendez que j'ai préparé ici sur l'ordinateur tous les prix. Du coup. Cette toile, il est au prix de 8,13 € et il fait une taille de 50 sur 42 et c'est de 11 CT. Vous savez très bien que la plupart des toiles, je les prends en 11 CT. On a un peu de confetti aussi, mais on a quand même des grands blocs. Du coup, c'est pas non plus trop 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 difficile à broder. Les toiles aussi avec les confettis ne sont pas difficiles à broder. Plus on a des confettis, plus on a des détails sur la toile. Mais en fait, c'est un peu, on peut dire embêtant de faire 2, 3 petites cases et arrêter le fil, prendre un autre fil, faire encore 2, 3 cases, arrêter encore une fois le fil. C'est pour ça qu'il y a la plupart des personnes, ils n'aiment pas les confettis. Voilà, mais on a vraiment des grands blocs aussi pour le cheveu, pour le ciel, pour tout, tout, tout. Ici, on a comme d'habitude le tabel avec les numéros, les symboles, les DMC et les vraies couleurs à côté. On n'a pas de décalage sur la toile, il est bien imprimé et on voit très bien tous les symboles. Il n'y a pas de problème pour ça, il est bien, bien lisible. Maintenant, on va voir les fils. Et on a ici des très 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 jolies couleurs parce qu'on va avoir
un peu de bleu pour le ciel et pour son cheveu, mais on va avoir du rose aussi dans son cheveu. Du coup, ça va être vraiment magnifique le résultat. On a ici, hop, cette côté avec ces couleurs. Et ici, on a ces magnifiques couleurs. Voilà pour la première toile. Hop, on va pas trop tarder sur les toiles parce que je vous montre vraiment l'essentiel. Voilà pour la première toile. Maintenant, on va prendre la deuxième toile. Et je vois que dans cette série, on a 2, 4, 6, 8, 10 toiles. On a dans cette série. Du coup, on a vraiment beaucoup, beaucoup de toiles dans toute la série. Mais il y a une partie des toiles qui j'aime pas forcément. Du coup, moi, je veux prendre juste les toiles que j'aime beaucoup. Je sais, j'ai beaucoup d'étoiles déjà. Et ça prend du temps de faire toutes les toiles. Mais c'est des choses qui ça me plaît. Du coup, je peux pas m'empêcher de pas prendre les choses que j'aime j'aime bien travailler. Voilà. Maintenant, la deuxième toile, c'est celui-là. C'est la marque qui... J'ai aucune idée pour le nom. J'ai jamais de nom pour cette marque. Mais par contre, hop, on va enlever ça. On va mettre les fils à côté. Mais par contre, j'aime beaucoup cette marque parce que les toiles sont faites sur les côtés. Et avec cette marque, on a le kit aussi avec plusieurs aiguilles et tout ça. Déjà, on a ici l'image. Quand j'ai vu cette toile, si je raconte pas des bêtises, je crois qu'il est dans les nouveautés. Il fait une taille de 40 sur 53. 11, c'était toujours. Et il est au prix du 9,41. Du coup, il est pas cher du tout. Moins de 10 euros pour une toile avec les fils et tout. Le patron et tout, tout, tout. Plus, avec celle-là, comme j'ai dit, on a le kit aussi avec 5 aiguilles chaque fois. Franchement, pour le prix, il est pas cher du tout. Quand j'ai vu cette toile, je suis en train de lire une livre avec une princesse et un prince. Et quand j'ai vu cette toile, j'ai associé direct avec mon livre. Du coup, j'ai dit, il faut absolument faire cette toile pour... parce que ça me rappelle chaque fois du livre que j'ai lu. Du coup, pour ça, j'ai pris cette toile. C'est une princesse avec son prince, très 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 joli. J'aime tellement cette image, il est trop 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 joli. Toujours sur du papier glacé. Et ici on a le patron qui est vraiment grand. Au total on a 48 couleurs. On a des grands blocs aussi, mais on a un peu de confetti aussi. Ici on a toutes les petites fleurs, les feuillages, toutes les choses comme ça. Du coup, forcément on a de confetti. Je vous montre sur l'image aussi. Voilà, on a plein de petites dégradés comme ça. On a plein de petites fleurs ici. Même ici, il y a la lumière qui tombe. Du coup, forcément, on va avoir du confetti. Mais après, le résultat aussi, ça va être beau. Voilà, pour le patron. D'ailleurs, pour cette marque, les patrons sont vraiment très, très, très bien lisibles. Rien à dire. Ici, on a la toile qui il est faite sur les côtés. Voilà, comme ça, ça filoche pas, ça déchire pas. Ici, on a le tabelle avec toutes les couleurs et les symboles et les DMC. Ici, on a la petite image du rappel. Et là, on a la toile qui il est très bien imprimée. Je regarde s'il n'y a pas de décalage, mais non, il n'y a pas de décalage. Il est très bien imprimé. Les symboles, franchement, sont très, très bien lisibles. Je vous montre un côté où il y a plus de confettis, du coup il y a plus de symboles. Pour voir qu'ils sont bien lisibles, chaque symbole. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. On a aussi des gros zones comme ici. Ici c'est vraiment des gros gros zones. Je vais essayer de regarder sur l'image aussi pour voir exactement qu'est-ce qu'il y en a ici en bas. Bah, en fait ici c'est où il commence le prince. Et on a beaucoup de couleurs foncées. Même ici, on voit que c'est son nez. La bouche. Qu'il est là. Ici, il commence le prince. Voilà pour celui-là. Ici, on a la princesse. La tête de princesse. Ça va être magnifique, celui-là aussi. Une fois fini. Je sais, j'ai beaucoup d'étoiles à finir.
Mais un jour, je veux tout finir. Je suis sûre de ça parce que d'habitude, j'arrête jamais des projets comme ça. Juste vraiment s'il y a un projet qui vraiment ça me plaît pas du tout. Mais d'habitude, je prends pas des projets qui ça me plaît pas. Du coup, on va finir tous les projets un jour. Là, on a le kit avec c'est pour mettre le fil dans l'aiguille ici pour protéger le doigt. Et là, le pompon avec 5 aiguilles comme d'habitude. Après, ici, on a les fils. On va mettre ça sur le côté. On a déjà une tresse pour cette couleur qu'on va utiliser beaucoup. C'est une très, très, très jolie couleur. Voilà. Après, ici, waouh, on a beaucoup de fils. Et des très jolies couleurs d'ailleurs. On a deux cartonnettes. On va commencer avec la première. Et ici, on a ces couleurs. Voilà. Et là, on a la deuxième cartonnette. Et ici, on a, hop, on va faire plutôt comme ça. On a toutes ces couleurs. On a du noir aussi, du violet aussi, un peu de rouge, bordeaux. Moutarde, on a vraiment beaucoup de couleurs très 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 belles. Et sur cette côté, on a ces couleurs-là. Là, le numéro 25, on a juste un seul fil parce qu'on a ici une grosse tresse. C'est le numéro 25 qu'on va beaucoup utiliser. Le DMC, c'est 902. Et là, on a ces couleurs. On peut dire que c'est des couleurs assez foncées, assez automnales, on peut dire vraiment. Vraiment qui, c'est des couleurs assez automnales. Mais ça va être magnifique cette toile aussi quand il va être fini. Pour l'instant, on va admirer les fils, les couleurs des fils et la toile. Voilà. Ça, c'est tout pour cette petite unboxing, les filles. J'attends votre avis pour vous me dire si vous aimez l'étoile ou si vous aimez plus laquelle de tous les deux. Franchement, moi, je les adore tous les deux toiles. Mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour celui-là avec le prince et la princesse parce que ça me rappelle trop du livre que je suis en train de lire. Et j'aime tellement ce livre que du coup, forcément, je veux aimer cette toile aussi. En fait, cette toile, c'est exactement comme moi, j'ai imaginé les personnages du livre. Du coup, pour ça, j'aime autant cette toile par rapport à l'autre. Mais l'autre aussi, il est magnifique. C'est difficile à choisir. Voilà. J'espère que ça vous plaît et vous trouvez utile les unboxings aussi. Je vais faire comme d'habitude, plein, plein, plein de bisous. N'oubliez pas que vous avez dans la barre de description tous les liens pour chaque article, pour la boutique et pour le code promo aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye.